Oh, ici, dépêchez-vous! Regardez! Hein? Tu avais raison, Darcho! D'accord, d'accord, tu avais raison. Le stade perdu est bien réel. Bon, on y va ou quoi? Je te rappelle qu'on est là pour s'entraîner, mon vieux. Ah! Oh! Ah! C'est vrai que c'est bien mieux qu'un parking d'hôtel, hein, Norv? Ouais. Les gars, la balle rebondit partout, c'est impossible. J'arrive pas à la suivre. Ah, génial. On est coincé au milieu de nulle part et on peut même pas s'entraîner. Vous en faites pas, les copains. Je vais utiliser mon entraînement de cadet de la vie sauvage pour imaginer un plan de secours. On sera sorti d'ici en un claquement des doigts. On ne sortira jamais d'ici. Et c'est entièrement ma faute à moi. Parce que je suis un imposteur. J'ai eu tous les badges de cadet de la vie sauvage sur un site internet. Attends, tu n'as jamais eu besoin de sortir de chez toi? Ben, j'avais quand même ma fenêtre ouverte. C'est absolument pas ta faute, Clown. La mienne. Mais tu sais, me faire balader par Donaldo, ça m'a mis la tête à l'envers. Mais au lieu de faire face à la situation, je nous ai embarqués dans cette stupide aventure. C'est une bande-terre! On est fichus! Coach! Mais comment vous nous avez retrouvés? J'avais placé un émetteur sur Sheriga. Je me doutais que ce serait la seule chose que vous ne risqueriez pas d'abandonner. Alors, est-ce que vous avez au moins réussi à vous entraîner? Le terrain est couvert de racines. C'est vraiment bien trop imprévisible. Imprévisible, dis-tu, c'est ça? Reposez-vous, messieurs. On s'entraînera dès le lever du soleil. De faire autant d'efforts si vos amis ne sont même pas là pour admirer votre charme incomparable. J'en viens presque à regretter les chaussettes puantes de Shakes. Ou pas. Écoutez-moi, les gars. Si le coach a dit qu'il allait retrouver nos frères, c'est qu'il le fera. Alors nous devons faire notre part du travail en donnant aux palmiers du fil à retordre comme ils n'en ont jamais connu. On va sortir toutes nos tripes dans cette première mi-temps et tâcher de maintenir le score à 0-0. On peut y arriver, non? Ouais, capitaine. Alors, prouvons-le. Allons sur le terrain et faisons-le pour nos frères. 1, 2, 3. Super Strikers! Et c'est parti! Je n'avais jamais vu les Super Strikers recourir à une configuration aussi défensive. C'est peu étonnant quand on pense que la moitié de l'équipe n'est pas sur le terrain. Qu'est-ce que le coach peut avoir derrière la tête? Aucune idée. D'autant qu'il n'est pas là non plus. Est-ce que les défenseurs de l'équipe de réserve pourront stopper le roi de la samba? Hein? Ils n'en auront pas besoin! Dancing Rasta vient de réaliser un tacle incroyable! Les Super Strikers semblent abattre tous leurs atouts! Même les meilleurs attaquants jouent aujourd'hui en défensif! Mais la question est, combien de temps pourront-ils tenir ainsi? Ah.
On est presque à mi-parcours. C'est pas le moment de flasher. Et voilà les palmes Thierry qui repassent à l'attaque. Ce sera la toute dernière occasion de cette mi-temps. Et cette fois, Donaldo parvient à déjouer le tacle de Dancing Rasta. Les défenseurs de la réserve stopperont-ils le roi de la samba? Et non, son jeu de jambes est bien trop imprévisible. C'est l'extase pour les palmes Thierry, mais l'agonie pour les super strikers. Y aurait-il un spectacle de mi-temps dont on ne nous aurait rien dit? Vos coéquipiers ont fait du bon boulot. À présent, c'est à votre tour. Mara. Cette fois, ça va vraiment être un atterrissage original. La seconde période est sur le point de commencer. Et nos informations ne sont pas confirmées selon les... Brenda! Ça reste possible? Mais, vu comme North Shaw et Block ont joué la dernière fois, leur coach ferait mieux de garder sur le terrain les joueurs de la réserve. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps! Après le dernier match, j'ai bien cru que vous aviez fini par fuir en courant. Je vais vous faire regretter de ne pas l'avoir fait. Maintenant, souvenez-vous, fixez la balle et pas le joueur. Coach, on a essayé. Lamentablement échoué. Le terrain est beaucoup trop imprévisible. Courage, mon vieux. Je sais que ça n'a rien d'idéal, mais... Dois savoir tirer le meilleur parti de la situation, c'est ça? Quoi? North et Block ont récupéré la balle simultanément. Wow! Mais comment ont-ils fait avec un Donaldo aussi imprévisible? Yes! Ah, ça sent bon! Vous voyez, ce terrain imprévisible est la meilleure manière de nous préparer à un joueur imprévisible, comme Donaldo. Mais en quoi ça pourrait nous aider si on ne peut pas arriver à temps pour le match? Ne vous en faites vraiment pas pour ça. Notre taxi est déjà quasiment là. Et avant de partir, je voudrais qu'on essaye une dernière chose. J'ai vu ce que les défenseurs avaient appris. À présent, je veux voir les attaquants à l'œuvre. Et ils viennent de prouver que Donaldo n'est pas invincible.